Ça va se mettre normal. C'est parti. On zappe toutes les cinématiques ou pas? Yeah, vous en pensez quoi? You know me, I'll be fine. I'll be back as soon as I find. Il y en a certaines qui sont bien. Why does everyone think I'm gonna get in trouble? What the? Boo! Don't shoot! Get down! Les raccoons, tu les avais pas tous. Non! Non, non! Les raccoons, je les avais pas tous. J'en ai 12. Wait, you're a cop? Yeah, Leon Kennedy. You are? Claire. Ah, c'est le début, on va passer. On va laisser les trucs surtout avec Berkin et tout ça. Berkin est classe. Berkin, il est classe. Il lui manque juste des tentacules pour vraiment être top. Mais il est cool. Let's go. Leon, I'm sure you beat me here. Donc, nous portons les vêtements d'un mort. Enfin, d'une personne qui a été éliminée au processus de développement de Resident Evil 2. C'est plutôt morbide et j'aime bien. Ce que vous en pensez. Le bus j'ai pas et l'orphelinat j'ai pas non plus. Merde, c'est là. Ah ouais. Non, l'orphelinat j'ai. C'est le bus. J'ai vu qu'il y en avait un dans le bus. Ouais. Et je crois que c'est avec Claire. Bah oui, c'est avec Claire. J'ai vu qu'on va à l'orphelinat. Claire, hold on, I'll be right there. Elsa Walker, je crois. Normalement, c'était elle qui devait être à la place de Claire. Ouais. Mais tarde. Allez, Claire, me fais pas chier. Je sais même pas pourquoi on prend les trucs. Faut vraiment que je débloque ce couteau, qu'on apprenne un peu le couteau. Je le fais bien ou pas? Apparemment, j'aime bien me prendre les murs en ce moment. Et j'ai pas. Ah, et pas de place pour le fusible. Je sais même plus où il est le fusible, c'est bien. Ouais, là on n'est pas parti dans vraiment le gros speedrun. Hein. Là il faut que je me remette dans le bain. Là on n'est pas du tout parti dans le speedrun. C'est bon, c'est super. Ok.
plaque plutonique. La moto. Oh, okay. Non, ça c'est un bout de papier. C'est un bout de papier, on s'en fout. Elle était parfaite, mon imitation. Je suis heureux. Je suis heureux. La question est, est-ce qu'on prend... Pour faire du, de l'acide, c'est quoi? Je crois que c'est poudre. Non, okay. Est-ce qu'on prend le Uzi après? Le papier, c'est la vie? Non. Ça, on va le faire. Ça, on va le faire. Ça, c'est... Go. Je suis en train de... Sur le Discord, je suis en train de faire un salon. Pour l'instant, il est caché. Personne ne peut le voir. Mais je suis en train de mettre toutes les puzzles du jeu. Comme ça, ça m'aidera pour avancer plus vite et pour apprendre des choses. Baisse tes fesses. Non, Claire, tu veux pas? Plus tard. Oh merde, ça l'a pas tué en une fois. Honnêtement, je pensais qu'une grenade ça suffisait. Honnêtement. Non, apparemment non. Pas grave. Ça arrive. Ah oui, non, cœur. Pas là. Ça y est, perdu, là-bas. Faut vraiment que je regarde si le fait d'utiliser le couteau à couteau infini, enfin qu'on l'aura débloqué, donc pas maintenant. Est-ce qu'on peut vraiment avoir le plus en l'utilisant? Parce que ça serait bien. Ça serait plutôt cool. Ça serait plutôt sympa. C'était quoi le... En haut ? DCM, on va récupérer des grenades incendiaires. Ouais,
Arrête de recharger. Arrête de charger. Pam. Il me faut la clé en fait. Mais merde. Wow. C'était pas des grenades incendiaires, c'était des munitions usées. J'ai déjà fait cap. J'ai l'impression de pas exactement faire les choses dans l'ordre. C'est pas très très grave. Mais... c'est pas extrêmement grave, mais c'est embêtant. C'est quoi ça déjà? Je m'en rappelle plus. On prendra après. Licorne. Oh putain, licorne! Là on a le livre. Putain, avance. Il y a une déco. Re tout le monde. Quorn Flame Bird, ok. On va où maintenant? Oh putain, je sais plus. Ouais, j'ai eu une petite déco. Salut Linono, comment on débloque le couteau infini? Il faut récupérer les 15 statuettes de Raccoon, de Mr. Raccoon. Simplement. Extrêmement relou. Ned et MRG. T'es trop lent, Vroncteur, tu peux plus gagner. Maintenant, j'ai à moitié tout disponible dans le Discord. Ça sert à rien en plus que je récupère. Non. T'es censé tomber. You asshole! Neuf, quinze, sept. Merde, putain, tu l'as déjà dit, fais chier. Bon ok, là tu gagnes, là tu gagnes. Donne-moi les sacoches.
Faut pas lui écraser la tête. Ça serait con qu'on crève, hein, quand même. Voilà. Ce serait con qu'on crève de ici. Hein. Ok, alors après je vais où? Oh, j'ai déjà oublié. Il me faut la batterie. Il me faut la batterie. La batterie. Bureau des stars. Ok, on a fait les douches, ouais, faut le bureau des stars. Non, la vache! J'avais beaucoup mieux travaillé mon esquive. Là, j'ai une très mauvaise esquive. Allez, passe. C'est pas grave, il y a des soins partout, mais bon. Quand même, quoi. Ça. Je sais plus pourquoi. Non, ce que je voulais dire, c'est non. Je sais pas pourquoi il manque deux documents. Un, ça doit être le film. Mais l'autre, je sais pas ce que c'est. Là, je vois pas ce que c'est. La plante rouge, je voudrais bien la prendre. Je viens de la prendre, la note de Léon. Oh putain! Hop là, yes. Non, ok, non. Il est fort ce coup. On passe. Ciao. À plus tard. Hey, il m'a bloqué ce con. Hein. Il m'a quand même bloqué. On a fait l'unicorne. Oui. Chasse, je sais plus ce que c'est. Il m'a bien bloqué, hein, ce con. Oh, on s'en fout, putain. Je voudrais bien prendre le couteau, par contre, à la place. Ou le livre. Tout le monde qui rampe. Faut aller récupérer le lance-grenade déjà, comme ça ça sera fait. Donc on va revenir là. Pff, chier. On va retourner à la sauvegarde. Au coffre plutôt. Parce que j'ai mal géré mon inventaire en fait. You asshole. Ouais, c'est ça, c'est cette photo que je veux.
Y a la tenue de Rebecca. Enfin, c'est... Non, c'est... Oui, c'est Rebecca en basket. C'est la même que l'original. C'est la même que l'original. Pas vraiment besoin de ce flingue, on va pas l'utiliser. Ah. Elle se trouve dans le bureau de Wesker. Il faut avoir la pellicule qui te dit où sont les planques. Alors regardez les griffures qu'elle a sur les fesses. C'est joli. Ah merde. Il y a X. Quelque part. Ah, dans les toilettes. Au revoir. Ouais, bureau de Wesker. Quand t'as la pellicule des planques et que tu peux récupérer une partie genre du magnum et tout ça, tu peux aussi récupérer la pellicule de Rebecca. Il n'y a pas de prompteur en fait pour récupérer la pellicule. Il faut appuyer sur la touche d'action. Il n'y a pas de prompteur. C'est un fichier caché. Par où on passe maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Putain, à chaque fois j'oublie. On va à la salle d'attente. On va à la salle d'attente. Faut le savoir. Ouais. Bah, ils ont gardé le même système que l'original. Avec le fait de fouiller 100 fois le bureau de Wesker. Là, c'est la même chose. Salle d'attente 6 de 11. On va le prendre parce qu'on va sûrement... Non, on va sûrement pas l'utiliser, mais... On verra. Il est juste dans le couloir, X. Il est juste dans le couloir. Qu'est-ce que fout Wesker avec cette photo? Aucune idée. Le truc, c'est que je vais devoir prendre la porte et il y a X à côté. Ça va être un problème. Ça va? C'est possible que ça soit la fin là, on a X dans le cul. Putain, niveau esquive, on est très mauvais là. Là j'avoue qu'on est super mauvais. Par où on va passer? Parce que maintenant on a quoi? On a... Il nous faut la bombe. Il faut récupérer le lance-grenade. Fait chier. Ah, fait extrêmement chier.
joué. Ah, on est mauvais hein, aujourd'hui. J'avoue qu'on est mauvais. Je voulais retourner pour aller récupérer le lance-grenade en fait. Sacré MRX, ouais. Sacré Mr. X. La note de Léon, elle est là. Donc ça, je l'ai pris déjà. On va pas prendre la mitraillette. Jesus, stay back! Stay back! T'es ici! Bienvenue! Voilà, c'est bon. Un peu chaud à esquiver, Mr. X. Faut que je m'entraîne. Il utilise le plus souvent son bras gauche. Donc on peut jouer un peu avec ça. J'ai pris ça déjà ou pas? Ouais, j'ai pris ça déjà. Allez, avance. Je crois que ça va plus vite de faire ça, descendre comme ça. Ça va bien, Lucie? Stag là. Je suis en train de regarder ces trucs. Ça on garde. Et le reste on garde. Maintenant on retourne aux douches. J'aurais dû en finir en fait avec les douches directement. Là on fait des allers-retours en fait. Là, c'est pas bon ça. Là on revient sur nos pas et tout, c'est pas bon. C'est mignon, il essaye de se lever pour moi. C'est mignon ça. Passé. On est passé quand il ouvrait la porte. Faudrait que je regarde où est-ce que je vais. Moi, je suis en train de faire le tour pour rien. Faudrait que je regarde les raccoons aussi. Parce qu'à part celui du bureau, je vois pas trop. Celui qui me manque. Voilà. Ce que je voulais récupérer.
Ah oui, du quoi? 6 de 11. Au final, je sais même pas si on va vraiment l'utiliser, ce flingue. Enfin. Boum. Il y a quelque chose dans la salle. Parfait. Maintenant, c'est quel étage? 3B? Tour de l'horloge? Non, c'est, je sais plus. Faut vraiment que je m'achète une mémoire, moi, putain. C'est ça? Oui, non, c'est là, c'est top de là, ok. Il est à ma droite. Mais merde. Mister X, hein. Toujours aussi relou. Je sais pas, je suis passé à côté, je voulais pas passer. Je vais faire ça en fait. Grenade, lance grenade. Et il est là-haut, putain, ce con. J'essaye de tester aussi un nouveau système, enfin pour moi, genre tirer seulement dans les jambes, ça les stun beaucoup plus facilement. Et le fait de leur couper les jambes rend la chose beaucoup plus simple aussi, je pense. Je pense que c'est mieux que de essayer de faire tout le temps des headshots. Salut, va bienvenue. Je vois pas pourquoi j'ai ça, ça sert à rien. Ça, on n'en a pas vraiment besoin, pas pour le moment. On va pas prendre le truc de toute façon. Ça va, Ava? Yo, Epteron! Bienvenue! Bienvenue à toi! Voilà. On a plein de grenades de côté. C'est cool. On pourrait prendre le Uzi, en fait. C'est sur le passage. À la limite, on pourrait le prendre. Mais... on est déjà à 30 minutes. T'es sérieux? Sans déconner. Oh.
C'est pas vraiment dans le passage en fait. Ouais, je l'ai vu le record du speedrun. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est potable. C'est potable. Genre, je suis pas encore là, mais ça va. On peut faire le coup de la porte, c'est peut-être trop tard en fait. Ça marche. Yeah, ça marche. Yeah, ça marche. C'était quoi ça déjà? Oh le con! Tu peux pas me redonner le couteau? On le reprendra peut-être. On n'est pas du tout efficace. Là, en temps, on n'est pas du tout efficace. Mais bon, on apprend. C'était en hardcore ou en normal le meilleur speedrun de 56 minutes. Attends, c'était où? C'est 1F. Putain! En normal! On se casse. Honnêtement, je le trouve vachement intéressant à speedrun ce jeu. Je le trouve vachement bien. Genre esquive, tout ça, on peut vachement travailler sur les esquives. On peut, y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Je trouve ça vraiment intéressant, perso. Il est vraiment intéressant à speedrun. J'ai pas de couteau. Je voudrais le couteau. Je voudrais le cut. Je voudrais cut machin. Tu as déjà fini le jeu? Bah oui. ça se voit pas. Plusieurs fois. Ça se voit pas ma façon de jouer quand même.
William! Hello? Hello? William, reviens! Regardez-moi ces fesses. Regardez les fesses de Claire. Les fesses de Claire. Oh, on a déjà fait, tous les scénarios. On a fait Léon A, Léon B, Claire A, Claire B. En hardcore. Hello? En hardcore. Hey. It's okay. I won't hurt you, I promise. Papa arrive. Do you need help? Here, you can take my hand. Papa veut pas que je parle à des inconnus. Il est très protecteur. Why? He's right behind you. What? Oh my god. Ah, William. Oula, William, là, tu rattrapes. Calme-toi. J'adore les effets de flammes et d'explosions. Ça fait une putain de source de lumière, c'est énorme. À chaque explosion, c'est super beau. Ouais, moi aussi j'ai eu la version originale en 98, c'était énorme à l'époque. Ça fait plaisir d'avoir un aussi bon remake, honnêtement, ça fait super plaisir. Alors tous les jeunes d'aujourd'hui qui n'ont pas joué à cette merveille à l'époque. Maintenant, au lieu de les forcer à jouer à un jeu de PlayStation avec des gros pixels de la taille de mon poing, tu peux leur dire, bah t'as qu'à jouer au remake. C'est très très bien. Elle est où l'échelle maintenant? À chaque fois je paume l'échelle. Voilà. T'as perdu le 3 Epteron. Ça doit valoir de l'argent maintenant en plus. J'ai toujours ainsi que la version Director's Cut. Ouh, pas mal ça. Le retour des yeux de Resident Evil 7. Il y a toujours eu des yeux. Ils ont toujours eu quelque chose pour les yeux à Capcom. Des gros yeux. Ils ont toujours aimé ça. Aux égouts en 1h30. Ah, c'est pas assez rapide, hein. Wrong turn, c'est pas assez rapide, hein. Ça laisse un peu à désirer quand même. Je peux pas dire.
Enfin, nous, on fait pas mieux. Hein, je... Mais... Ouais, si t'es en standard, ça passe. Si Anthem aura un solo, oui, on pourra jouer complètement en solo aussi, si on veut. Ouh, on va se faire maltraiter par le chef. On va voir Claire se prendre des baffes. You're sure this is the way? This is how my mom took me last time. Sherry? Oh, je vais te défoncer. Everywhere for you, Sherry. Brave little girl to leave your house in the middle of this mess. On the ground, hands behind your head. You can't be serious. On the ground, now. Sherry? Tie your hands. Why are you doing this? Shut up. Tie. Ferme-la. Okay then. You tie her up now or she dies. Elle est assez hard cette scène quand même. What's this all about? Child endangerment for starters. Sherry. Come here. What are you gonna do to her? None of your fucking business. You hurt her, I swear to my brother stars, and I... Elle est cool, la version anglaise aussi. Get over here. What's your name? What's your fucking name? Claire! Sherry, you come with me now, or say goodbye to Claire. Okay, okay, I'll go. You better be taking me to my mom. Absolutely. Don't listen to him, he's full of shit. Stop hurting her, please! Don't tell me how to do my job. Stop! Let me go! Let me go! Obviously, nobody taught you manners. We'll fix that. Oh, yes, we will. Let me go! Let me go! I'll get you, you fucker! Fucker. Ouais, non, pour un thème... Oh, ils ont dit qu'on pourra jouer en solo. Pas en solo. Sans inviter des gens. On met le truc en privé. Okay. On pouvait le faire sur la démo. Ah, tu mets le... Faut aller à la morgue d'abord. Tu mets le groupe en privé, ton escouade en privé, et tu peux jouer en seul. C'est pas du style, ça. Re, Joko. Il suffit de pas paniquer. Elle était où, la clé? Elle est là-bas, la clé. Elle est où, la plante? Merde. Chaque fois, j'oublie la plante. Il faut que je la prenne. Où elle est, la plante? Je crois que c'est là. Ah, c'est là. Ah! Et après, il y a une grenade à prendre, je crois, non? Non, pas là. Ouais. Ouais, chérie, c'est la gamine. Honnêtement, je préfère chérie en gamine que chérie en... Dans Resident Evil 6. Là. Elle est vraiment conne. Conne et chiante. Attends, 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 attends! Hop là. Qu'est-ce que je fais? Là. Ça fait chier. Hop.
Non. Oh la vache. Oh merde, il est devant. Ok, là on a un problème par contre, je peux pas passer. Ok, là tu me fais chier, là. Oh la vache. Revolver. Ocelot. Oh, t'es toujours là. Je pense que c'est bon. Faut pas le toucher, faut surtout pas le toucher en fait. Et hop, c'est bon. Normalement, ça passe. Faut pas courir surtout. Oh, je l'avais oublié lui. Must be where that guy came from. On n'est pas allé dans l'autre partie. C'est pas grave. C'est pas vraiment très très grave. Voilà. Avance. 45 minutes là, on est lent, on est extrêmement lent. Mais c'est pas grave. On va dire qu'on s'est un peu perdu du côté du... commissariat. Objectif du run aujourd'hui, on refait Claire B en S+, cette fois, sans utiliser le pistolet infini, parce que bon, on avait merdé ça. Et on essaye de récupérer des raccoons. Et on va essayer aussi de faire le défi avec Berkin, de faire tomber de la grue là, en un coup. Ce que j'ai toujours pas fait. Donc ça, c'est un peu relou. Merde. On va essayer de trouver un couteau et on va le garder. Ah, et ça sera pour Berkin, en fait. Quand il est à terre, on va essayer de le cut à mort. Ça va lui faire... Normalement, en théorie, ça va lui faire beaucoup de dégâts. Et on a pas mal de grenades acides aussi, donc on va le bourriner de grenades acides. Il y a un raccoon qu'on doit récupérer, c'est dans le bus. Et je crois que je l'ai toujours pas, lui. Après le reste, ça va.
4 parties, je les ai... Non, 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 non. Pourquoi je vais là, ça sert à rien. Non, non, là, en reste ce que j'ai pour l'instant, c'est seulement Léon B et Claire B. J'ai commencé à faire les le S il n'y a pas très longtemps, genre la semaine dernière en fait. Ah, normalement il y a un couteau. Ça a récupéré. Il y en a déjà un. Faut le deuxième, une fois le cric pour la bibliothèque et après on est bon pour ça. Il est où, à droite ou à gauche? La balle dans la jambe stun à, quasiment à 100%. En théorie. Voilà, à chaque fois ils sont repoussés. Et après ça casse des fois. C'est quasiment 100% la balle dans la jambe, à la place de la tête. Des fois la tête ils s'en foutent, la plupart du temps ils s'en foutent. Ils continuent à avancer, ils peuvent te choper. C'est pour ça que là j'essaye vraiment le run avec que des tirs dans la jambe, si c'est pas mieux. Ça a l'air d'être mieux pour le moment. Fait chier. Oh yes! Go 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 go! Yes! Putain, par où on passe? On est passé. Surtout avec le 45, ça passe vachement bien parce que tu tires super vite. Ce qu'il nous faudrait, c'est un coffre. Et le cric qui est dans la buanderie. Point d'interrogation. Non, dans les archives. Archives ou buanderie? L'un ou l'autre. Me touche pas, me touche pas! Ah! Archive? Ok. On va prendre ça, on veut ça. On va garder le couteau de côté. On a défoncé le liqueur, je crois qu'on a défoncé le liqueur. Non! Ah putain. Attends, attends. Attends. Je déconne, c'était une blague le coup du chapeau. Ça va, c'est bon. Reste cool. Ah, il est toujours là lui.
Il est toujours là. Parle. Ok, on a le cric, on retourne à la bibliothèque. Va falloir repasser le con de... Oh la vache, va falloir repasser le... M'a vu. Par contre là, ouais non, on a encore de la vie ça. Le T0, ouais 103, ouais, il était déjà collant dans l'original. Le truc, c'est quand tu pouvais le tuer, enfin de le tuer plutôt, tu le mettais à terre et t'avais un peu de temps libre. Là, lui, t'as pas vraiment de temps libre en fait. Et tu t'as pas de balles aussi. Dans l'original, des fois, il te laissait des balles là, non. Je vais avoir du mal à faire le puzzle avec l'autre qui me poursuit là. Oh, 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 on l'a fait. Tout va bien, tout va bien. On est bon. On est bon. Je sais pas comment on est bon, mais on est bon. C'est les archives de Sif le Dragon. Il y a des ouvrages sur la magie de cristal. C'est vrai que... Ah non, là. L'échelle, c'est du plaisir pour les yeux. L'échelle te rend invincible aussi. Donc c'est... C'est double emploi. C'est du plaisir pour le travail, c'est du plaisir pour les yeux. C'est magnifique. C'est magnifique ces échelles dans ces jeux. Surtout avec Claire. That worked. Là, on va avoir un problème par contre. On va sortir, il y a Mister X à ma gauche ou devant, quasiment sûr. Là, c'est obligé. Ah, surtout qu'il y a des zombies aussi. Donc, je sais pas comment on va sortir, honnêtement. Faudra aller à la salle de stockage est. Comme ça, on repasse par là. On va directement en bas et on va à la salle du chef. Ouais, bien. Pourquoi tu... Aïe. Oh, putain, il est de ce côté. Relou X, relou. Relou. Ah, très relou. Bingo, il est toujours là.
Oh putain de merde. Ma dernière balle. Elle est où la porte? Ah, il est lourd hein, le mec hein, quand même. J'aurais bien voulu voir Claire en mini-jupe. Ça aurait été sympa. Je suis en train de me demander si on devrait pas aller prendre la mitraillette, le Uzi. Je suis en train de me demander si on devrait pas prendre le Uzi. Je sais pas. Attends. Claire B. J'ai pas le défi aussi de ça, donc. Claire B. Yes. Extrêmement chiant ce puzzle, je déteste. Le pire puzzle du monde. Faut faire comme avec Nier Automata là. C'est pas mal. Les cyborgs là qui sont encore plus bonnes que des humaines. Ça aussi c'est pas mal. Voilà. Alors là, j'ai peut-être un document qui me manque, qui serait dans les dans la salle de bain en fait. What is this? Je crois. On va voir après. Mais je crois que la salle de bain, tu peux y accéder seulement une fois que Claire y arrive. Parce que là, il va avoir le chef Iron dans le dans la salle de bain. Qu'est-ce que tu fais, chérie? Go, chérie. Normalement, on peut pas y aller. Pas maintenant. Aïe 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 aïe. That must be the door out of here. Chérie, ouais, chérie, elle est cool. Oh no, it's him. Elle fait très adulte alors qu'elle est. Ouais, elle a de quoi, 12 ans. Faut qu'on récupère aussi le film de Rebecca, donc une fois qu'on sera dans les égouts et qu'on aura le film Planck, on,
retournera dans le commissariat. En plus, il n'y aura plus Mr. X. Donc ça sera beaucoup plus tranquille. Where are you? Show yourself. I know you're in here. The longer it takes me to find you, the worse it's gonna be. Allez, Irons. Ouais, la traduction en français, elle est moins vulgaire. Quand on l'avait fait en français, ça, ça se voyait. Pas censé me mettre là, moi. J'ai remarqué, il y a des gens en fait qui se mettent pas du tout là. Moi je me mets là, mais je crois qu'on n'est pas censé se mettre là. On est censé se mettre là-bas dans le coin en fait, entre le meuble et la chaise. Si je me trompe pas. This is your last fucking chance. Show yourself. Now. Il va faire tomber des papiers, j'avais vu. Genre les papiers, ils tombent au-dessus de ta tête, exprès pour te stresser. Non, on le fait encore plus intelligemment. Allez, à plus. Papa vient nous aider. Papa va venir nous sauver, comme d'habitude. Assez violemment. Je sais toujours pas où il a récupéré cette hache. Je veux pas dire, mais... On sait toujours pas où, d'où elle vient, la hache. Papa William! C'est un balai, Lucie, c'est un balai. Good to see you again, Claire. We've got unfinished. Just you wait, asshole. Just you wait, asshole. Regardez-moi ses fesses. Ok, alors. Est-ce qu'on part direct ou alors qu'est-ce qu'on pourrait faire à la place? Pas grand chose. On n'a pas, on a rien. On n'a pas de munitions, rien. On va aller prendre la mitraillette. On est à quoi? On est à 1 heure. Ça va. On a encore 2 heures techniquement, donc c'est pas grave. On va aller prendre la mitraillette. Salle d'attente, etc., etc. Et après on part. Merde, qu'est-ce que je fais? Toujours X dans les fesses.
Pourquoi la musique s'est enclenchée? Il m'a vu? Comment il m'a vu? Salut Rico, bienvenue! J'ai envie d'aller voir en bas ce qu'il y a pour Claire. Je me rappelle plus. On va aller voir. J'ai pas pris les clés, mais quel con! Attends. J'ai pas pris les clés. Chier. Oh la vache. C'est bon, on a... Ça va, Rico? Ouais, en bas, ouais. C'est la salle interrogatoire. C'est de la clé de cœur. Hein. Je crois qu'il y a des munitions et des trucs comme ça, c'est tout. Mais bon, pourquoi pas les prendre? Il y a les trucs pour le coffre aussi. Tout va bien, tout va bien. On se calme, on se calme. Tout va splendiblement bien. Origine première? Ouais. Le même ami que R2 original, ouais. Ils l'ont mis, ouais. Plutôt cool qu'ils l'aient mis. Moi, je suis assez content. On va passer par où? Oh la vache. C'est un putain de labyrinthe, ce truc. Il est juste là! Merde! On va prendre la terrasse. Ce serait sympa, ouais, qu'ils le mettent en VR. Qu'est-ce que je déteste ça? Alors. 5, 1. Non, 1, 5. Je déteste ce truc. Merde. Ça y est, j'ai déjà oublié. Wow, putain, je déteste ce truc. Encore qu'il est optionnel, hein. Par contre, je sais plus où il est le deuxième. Je voudrais bien savoir où est le deuxième. Faut un DLC sur ça, que avec ça, que avec ces puzzles. Ce serait énorme. Ce serait énorme. Ah, Buandry, le deuxième. On va prendre aussi. Comme ça, on aura plus de place. On est à quoi? On est à une huit, ouais, ça va.
Ah, il en a bu André. Psst, 90% sûr, il en a bu André. On va voir. Après, j'ai pas de mémoire, donc c'est possible que... C'est possible que j'ai tort. Me dis pas qu'il est déjà là, X. Non. Là. Yes! Oh yes! On peut encore jouer! C'est énorme, j'adore! Putain de merde. Ah. Choco, il adore ce puzzle. Très 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 fun. On a encore une porte à ouvrir avec le carreau. Qu'est-ce qu'on a à ouvrir? J'ai tout ouvert. Ah, la tour de l'or. Non. Non, je crois pas. Enfin, c'est pas grave. Ah, si si si, la dernière porte, elle est là. Faudra aller peut-être récupérer le pistolet 9 mm, on verra. Aïe 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 aïe, on prend les douches. On va aux douches. J'ai pas le badge sur moi, j'ai pas le badge sur moi, c'est super. Ouais, c'est avec Léon l'autre. Faut mettre chaque objet dedans, même les plantes. Putain. Ça serait une catastrophe. J'y jouerais même pas au jeu. On a pas un lit. Donc ma phrase était, il n'y a pas un liqueur. Alors les codes. Bah, c'est pas vraiment des codes, mais c'est lesquels, comme ça j'ai pas besoin de voir. C'est un couteau de combat normalement. Yes. On a le film. Le film, on s'en fout en fait. C'est pas grave. Tu voulais leak un truc? Exact. 1-0. 9. 2-0-3, c'est la sacoche. 2-0-3. Et 2-0-8. C'est eu 45 ça ou 9? On a X juste à côté, c'est énorme.
Ça va? Ça va? Tranquille. Merde. J'ai voulu l'esquiver, pas marché. Pas vraiment marché. Ah, c'est du 45 ça. Du coup, on garde le reste. Mais bon. Chier, je voulais retourner au bureau des Stars pour récupérer le Uzi, mais pff, on perd un peu de temps. Et puis il y a l'autre. Il y a X qui est dans le coin, c'est un peu relou. Non, il m'a pas vu. Pas là. Non, il est sur les escaliers. Juste là. Derrière lui. Excuse-moi. Des choses à faire. Il est persistant hein, quand même. Hein. Pas bien. Vous avez vu la vidéo où elle est sur YouTube où une personne a vu deux Mr. X? J'avoue que la vidéo elle est un peu étrange. This does not sound like Chris. Donc j'ai un peu du mal à y croire. En plus c'est sur PC. Oh merde. Ouais. Oh non. Putain. J'ai du mal à l'esquiver lui. J'ai du mal. On la regardera après si vous voulez. Franchement, je sais pas quoi penser. À la limite, je me suis dit peut-être que dans le commissariat, dans les alentours, il y a deux Mr. X pour éviter de le téléporter en fait. Genre les développeurs, ils ont mis un qui s'occupe de l'aile ouest et un autre qui s'occupe de l'aile est. Mais bon, enfin, c'est un peu étrange quoi. C'est un peu étrange. Du coup, on retourne où, nous? Faudrait retourner là. Oh putain, par où je passe? Oh la vache! Casse-tête. Faut retourner dans le bureau. Faut retourner dans la bibliothèque. Après, il y en a qui ont commencé à dire que c'était canon l'histoire, qu'il y ait plusieurs Mr. X. C'est vrai que je crois, si je me trompe pas, en théorie, il y aurait 3 ou 4, je crois, qui ont été lâchés dans Raccoon City. Mais normalement, on n'est pas censé en rencontrer deux. Donc ça m'étonnerait que ça soit intentionnel.
pense que c'est ou le script du jeu qui a merdé. Ou alors c'est un mod. Oui, c'est pour ça que je dis que, en théorie, dans l'histoire, je crois, si on regarde dans les livres et tout ça, il y a plusieurs Mister X qui ont été lâchés de Raccoon City, parce que l'hélico en transporte plusieurs. Ouais. Mais bon, fin Léon et Claire, ils sont censés en rencontrer un seul et c'est tout. Je crois pas que ce soit possible de... Enfin, c'est pas normal d'en avoir d'autres. Non, c'est là. On a la carte. Yes. Voilà, ouais, il lâche qu'un seul pote sur le RPD. J'ai envie d'aller là-bas d'abord. Et utiliser la clé. Quoi ce bruit? Qui vient de gueuler comme ça? C'est Claire ou le zombie? J'étais sélectionné le 4ème survivant avec un que j'ai rencontré deux tyrans au 15 survivants. Ouais, non, mais. Ce mode-là, il est un peu à part. Ça va pas vraiment avec l'histoire, on va dire. Point de vue histoire, c'est juste un qui essaye de s'échapper du truc, du RPD. Mais après, il y a plein de monstres qui ont été mis pour faire un mini-jeu d'échappatoire. C'est pas vraiment en symbiose avec l'histoire principale du jeu, c'est ça que je veux dire. On la regardera après. On la regarde après. Je veux juste aller à l'Orpholina, déjà. Après, on fera une petite pause. Allez, on se réveille. Merci. Oh. Ça va vraiment plus vite de faire ça. Ouais, j'ai l'impression.
Il est pas monté? On a bien fait de prendre le Uzi pour cette partie là. Parce qu'on a très peu de munitions. Fuck you. Ok, faut regarder dans le bus pour un Mr. Raccoon. Yes. Un Mr. Raccoon de plus. Ou de moins, ça dépend de quel côté on est. Ouh! Content. Il en manque encore deux ou trois. Deux, je crois. Hang on, Sherry. Je crois deux. On va aller voir dans les dans la salle de bain. Sherry, Sherry, are you here? S'il y a un mot ou pas. Oh, c'est ça. Lettre du directeur au sujet de l'incident en question. Je suis ravi d'ouvrir. Ça prend. Excusez-moi. Que tout a été réglé le 19 février aussi. Le sujet 628 s'est enfui du labo et pénétré dans le bâtiment. 628 était issu du groupe de candidats aussi. Tu me sembles être retourné pour obtenir de l'aide. 628 a rapidement été interpellé par notre équipe. Ah, on l'a pas lu ça. Ayant participé aux essais cliniques du labo, il était possible de remporter le virus avec lui. Nous devons donc éliminer tous les candidats par précaution. L'éradication rapide a été menée à bien par l'équipe de sécurité à laquelle j'aimerais t'en souhaiter. Je sais plus si on l'a eu ça, si on l'avait lu. Ça nous dit qu'en raison de l'état vétusté du bâtiment, nous avions déplacé temporairement tous les enfants dans un autre orphelinat pour leur sécurité. Une fois ce site entièrement décontaminé, je compte reprendre le ressort. Ouais. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Ça me dit rien. C'est peut-être un des documents qui me manquait. Possible. Ouais, peut-être. Jumpscare dans 1, 2. Your fault. What? It took too long. What happened? Oh god. Get off me. Yeah. Jesus Christ. Et on va voir la fin de Mr. X. Là, y a rien. Bon, go, go, go. Tu te débrouilles, chérie. Comme d'hab, hein. Non, 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 non. Toi, t'es derrière moi. Il est derrière toi. Pas moi. Moi, ça va. Sherry,
Donc en résumé, le virus G est plus puissant que le virus T. Wake up. Ah, on va virer la conversation avec Annette. Annette, ça a sauvegardé où exactement? Ça a sauvegardé juste après ça. Ok, je fais une pause, je reviens. Et après on regarde la vidéo vite fait des deux tyrans là. Faut le T avec plus de tentacules. Il faut Nemesis. Ok, je reviens vite. En tout cas, on y va. On brûle des chatons. Putain, Choco. Choco, t'as un problème. Non, c'est pas par là, ça va. Sherry, can you hear me? Ah, sinon pour Resident Evil 7, Chris. Je pense que c'est des restes de Resident Evil 7 en fait dans le jeu. Dans le moteur du jeu. Je pense pas qu'il va avoir des DLC avec Chris. Ça serait con. Ça serait inutile et con de faire ça. Je pense, vu que c'est le même moteur de jeu, je pense que c'est le, c'est une asset qui est restée. Cable car. Un funiculaire. Vous avez déjà utilisé ce mot-là dans la vie de tous les jours? Le funiculaire. SZF. RE7, c'était inutile et con de le concevoir tout court. Ça a redonné l'espoir au survival horror de Capcom. C'est pas mal. C'est pas mal déjà. Hold on, Sherry. I'll be right there. Pas là-bas. Là. Ça donne quoi le coffre? Ah, et amélioration pour le Uzi. Ah, voilà. Une heure trente, on est dans les égouts. On devrait le faire en moins d'une heure en théorie. Deux douze huit. Ah non, c'est ça. Ah, le SLS 60, c'est ça. Putain. Fais chier. Merde, je vais marcher dessus. Fais chier. Fait chier trois fois. Je sais pas pourquoi je m'obstine à prendre les pièces de cette arme, je l'utilise jamais. Je vois pas pourquoi je fais ça, hein. Ça leur donne de l'espoir. Les survivants, c'est le remake de RE2.
Oui. Ça a super bien marché. Ah mon dieu, Goldo, non. Comme Goldo nous rappelle bien, et ce que Mansoun nous a appris. Merci, Mansoun. Ça va, Goldo? Pourquoi j'ai cu... Oh. On va prendre ça. Est-ce qu'on a... Ok, on a une grenade, ça. Ma grenade. Ma grenade. Elle s'appelait Catherine. Elle était gentille. Je sais pas si je fais bien. Un gilet jaune, forcément. C'est vrai que j'ai jamais fait attention, mais c'est vrai qu'il a un gilet jaune. Le seul con qui est en plein dans l'eau qui te fait chier, faut qu'il ait un gilet jaune, c'est bizarre. Hein. Oh, non. Après, je suis pas contre le mouvement, je veux pas en parler, j'aime pas parler de choses comme ça sur un stream, mais c'est vrai que c'est drôle. J'avoue, c'est drôle. Putain, ils font chier, eux. Je fais de la merde. C'est à cause de eux, là. On est bon. Ah putain, c'est pas là. Ils me perturbent, ces trucs-là. Let's go, on se casse. Je vois pas pourquoi on a pris le truc électrique en fait. Est-ce que ça va vraiment nous être utile? Je sais pas. Dis que tu votes Mélenchon. Qu'est-ce que tu racontes, Goldo? Bon, au moins, on n'est pas en dictature comme sur ton île. C'est déjà bien, non? C'est déjà mieux. Thank you.
chiant cette partie. Oh, on a perdu un couteau, ça m'emmerde. Une bonne dictature a jamais fait de mal à personne. Ah le mec. On a perdu le couteau, putain. T'as encore un gilet jaune. Dépêche-toi, Claire. Non. De train vu Trudeau. Délicieux. Je suis sûr que t'as vu Pierre Choco dans des animés. Entre parenthèses. Ok, on va pouvoir les récupérer là. La truc de Rebecca. La photo de Rebecca. Non, mais on peut pas savoir. Je disais juste comme ça. Je dis juste ça comme ça. Je veux pas savoir. Ok, on retourne au RPD vite fait pour le film. Ah, on peut même le faire quand ils sont par terre morts, c'est énorme. Ouais, les tarentules géantes, putain. Dans un sens, je suis un peu content quand même qu'elle y soit pas. Ce genre avec les poils et tout ça, dégueulasse. Oh, c'était trop horrible. On est pas là la con. Pas le badge sur nous. C'était dégueulasse. À la place, on a les monstres de Berkins. On va reprendre le 45. On est à combien? On est à 1h40 déjà. Putain. On va le faire sûrement 2h30, je pense. C'est très mauvais pour un... c'est très très mauvais, mais... pour un speedrun, mais... Hein, c'est pas grave. Ah, on a toujours un couteau sur... très 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 mauvais. Pellicule Planck, faut faire ça. Ça sert à rien en fait pour elle. Ouais.
Bonne nuit, Lucie. Merci d'être passé. Merci d'être passé. Et bonne nuit aussi, Goldo. Bonne nuit. Ok, maintenant on peut récupérer le truc de Rebecca. Sert à quoi d'avoir ça avec elle, avec l'outil? On a pas fini? Ok, maintenant on va aux Stars. Je voulais dire avant que Goldo parte, si jamais il veut faire du Anthem le 15. Au final, je pense qu'on va pas faire vraiment du Anthem le 15. On va peut-être le faire après. Parce que il y a les DLC de Resident Evil 2 qui sortent. Hé hey hé! On l'a eu. Donc ouais, il n'y a pas de prompteur. Rising Rookie. Recrue prometteuse. Ah, bah c'est le truc. Je crois qu'on a tous les documents maintenant. On va voir un peu à quoi ça ressemble. Je me sens un peu bizarre de regarder cette photo. C'est bien. Enfin bref. Elle est un peu étrange, non, cette photo? On a plein de vie. C'est bon, on se casse. Qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qu'on voulait faire aussi? Je vais juste regarder vite fait les emplacements des Mr. Raccoon. Mais je crois qu'on les a tous dans ce scénario maintenant. Entrée latérale du commissariat. C'est quoi l'entrée latérale du commissariat? C'est derrière? Terrain de basket. Bon, pas grave. Bon, on y retourne. On va sauver Sherry Brooklyn. C'est Wesker qui est étrange de l'avoir. La porte par laquelle elle arrive. Apparemment, il y aura un Mister. Putain, par où on passe du coup? Apparemment, il y aura un Mr. Raccoon. Je veux le couteau.
Ah, on verra plus tard. Enfin, plus tard. Dans un autre playthrough. Il va se faire écraser. Ok, on va combattre Birkin. Donc cette fois on va le défoncer. Mais on va vraiment le un peu exagérer sur les grenades et tout ça. Comme ça on va le tuer en une fois. Enfin j'espère. On a toutes les pièces. Ouais. Oh mon dieu. Fait bizarre de voir tous les zombies par terre comme ça. Bon, sauf lui, il a brûlé. Il a brûlé. Mais le 4 fois à terre, 4 fois ça fait beaucoup de munitions quand même. Normalement, 2 fois ça devrait passer. Scénario B. Le pion rook. Rook, c'est la tour. Tour. Knight. Cavalier. 4 fois? Sérieux? Ça fait beaucoup quand même. Merde, c'est quoi le roi? C'est celui-là? C'est la reine, ça? Oh putain, j'ai un doute maintenant. C'est la reine. Bishop Queen, Bishop. C'est bon. All right, Sherry. On my way. Yeah. Aïe, pas gentil, Birkin. On est reparti pour combattre Broken.
Alors, je... Tout va bien, tout va bien, tout va bien. D'où il... Non, je crois pas qu'il m'a touché, je crois qu'il m'a juste fait bouger. En fait. Waouh. Quelle précision. Ah, j'avoue, c'est ma faute. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. D'ailleurs, une fois. I'm so sorry, Sherry. This is taking forever. On a eu le succès. Donc on a eu le défi aussi. Donc ça va, ça avance bien. On a fait quelques... On a fait pas mal de trucs là. On a fait ça, on a fait Rebecca. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Les documents sûrement. Les documents, on les a tous je pense. Le funiculaire. Ouais, on est bon. Là. C'est ton temps, bienvenue. J'ai merci, merci, merci. Hold on, Sherry. You're gonna be fine. Merci, merci. Et on va faire aussi là, le au labo de d'Ombrella, on va récupérer les derniers sacs. Et du coup, on aura aussi le succès des sacs, je crois, de l'inventaire qui est au max. Bah ouais, personne qui l'a utilisé, donc bon. Okay. Better check everything. There's no turning back. Ouais, ouais, on est bon, on est bon. On est bon. This tram is bound for Nest. Do not exit until the final. Bah, tonton, c'est un bon week-end. Give it to you? Tu veux dire... Excusez-moi. Donc retour dans la salle de sport, mais mal partout. C'est compréhensible. Ouais, on va virer ça. Comme ça on avance.
Baffe pas sur mes vêtements, chérie. I'm getting you treatment. Just hold on, Sherry. Baffe pas, c'est dégueulasse. Résolution pour le niveau 37. For your safety, stand clear until the doors are fully open. For your safety, stand clear until the doors are fully open. For your safety, stand clear until the doors are fully open. Welcome to Nest. Enjoy your visit. Okay. Non. Ah. Un peu de ça. Oh là là, Hypteron, mon dieu. Peggy 18 là, hein. Peggy 18 quand même. Ça va trop loin là. Ah, ça va un peu trop loin. Putain, on a plein de plans de s'abuser. Je sais même pas pourquoi je les crée. J'en ai tellement, je vais même pas les utiliser. On va juste prendre celle-là, juste au cas où. C'est parti. On va peut-être prendre ça. Ça, on n'a pas besoin. On n'a plus besoin. Pas un mystère saloperie ici. Putain, le truc, quoi. Vache. Il était énervé, lui. Il était un peu énervé, lui. Yes. Voilà, très bien. J'ai entendu un bong. Je me suis dit, ah tiens, c'est les pas de Mr. X. Ce serait un peu étrange. Ok, là on va faire le... On est à combien? On est à 2h01. Normalement on l'aurait déjà fini. On va récupérer l'inventaire et hop, on est bien. Il apparaît ici en facile. Quoi, Mr. X? Il est mort avec Claire. OSS. Oh mon dieu. C'est dur avec un clavier. Ah, avec Léon. Yeah, plein de place, succès, déverrouillé. Yeah. J'en ai marre de la voir se traîner comme ça. Donc on a fait plusieurs défis déjà là, ça c'est bien, là. C'est pas mal.
On a fait pas mal de défis en une fois. Good. God knew. Ça fait quoi l'acide sur eux? Jamais testé. Waouh, j'ai loupé. Ça a pas l'air de faire grand chose. Ça a pas l'air de faire grand chose. Cool. Faut que je regarde les solutions. Ouais, vous quel truc. Qu'est-ce qui se passe, quel truc? Qu'est-ce qu'il est en train de faire, quel truc? Avec un tiers 1. Gulric est en train de me pirater mon chat. Ta gueule. Merci. C'est normal. Tu t'abonnes avec autre chose? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Parce que là, il y a écrit depuis 0 mois d'affilée. Alors, 2, 4, 8. Comme ça? Ah, c'est ça. Et après, 5, 8, 3, 1. 5, 8, 3. C'est le resub des 10 mois, je peux le faire à l'infini. Ah, ok. Super étrange. Bah, merci, en tout cas. Même si ça reste étrange. Oh, j'ai pas pris le truc. Non, tu m'as perturbé. Tu m'as perturbé, j'ai perdu du temps, voilà. J'ai pas le S++. Dispensing solution. Suite à la mage Twitch sur les abos. Faudrait que je regarde alors. Faudrait que je regarde comment ça fonctionne. T'as reçu un mail normalement. Ok, je regarderai après. On a pas de la blanche. On a pas de la cocaïne. Quoi cette merde? Cocaïne. Manual mode. Putain, puzzle de merde. Bleu, rouge, vert. Bleu, rouge, vert. Bleu, rouge, vert encore. Et bleu, rouge, vert, encore? T'es sérieux? Ah ouais, c'est ça. C'est ça! Puzzle de merde. El Chapo se fait arrêter, alors on est en rupture de stock. Le mec il s'est échappé de prison et tout, c'est abusé ce mec. Putain de légende. Quelques jours, j'ai vu un joueur traverser la plante 43 et se retrouver hors du jeu avec les décors de la plante 43. Il pouvait s'éloigner des décors du jeu. Ouh.
Petit glitch. Ah, c'est par là. Petit glitch. Pas mal, pas mal. Dis-moi que c'est de la poudre blanche et merde. Oh non! Je suis plein! Aïe 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 aïe. URF. Ah mais il y a le... Il y a un coffre à côté. J'aime bien. On peut faire tomber la canette. Pression. Couteau. Encore des grenades. Super. Ah ah! On a plein de trucs, c'est abusé. Run sans coffre, ouais, c'est fait. Run sans coffre. Sans soigner, c'est fait. Il y a trop de trucs. Oh là 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 là. J'ai trop de merde dans l'inventaire. Mamma mia. Je vois pas pourquoi je prends le... Et ah oui, il est 14 000 pas aussi, c'est vrai. 14 000 pas, en gros, tu fais le jeu en moins de 2 heures et... Et tu le fais, le truc. Attends, j'ai bien les grenades d'équiper. Ouais, c'est bon. Ouh, quel esquive. J'ai aussi réussi les 3 d'un coup. Ouais, ça va vite. Bon, après, en normal, franchement, le truc de pas se soigner, c'est super simple. Hein. Je me mets ma parka. Vous pouvez tuer les plantes par en dessous, envoyer leurs pieds, leurs orteils. Ouais, sympa. Le coup du... Sans soigner, c'est un peu débile, en fait. Tu le fais en normal, t'as l'auto-sauvegarde. Ils auraient dû le faire en... En hardcore, ou alors ils auraient dû enlever l'auto-sauvegarde, en fait, du mode normal. Ça gâche un peu le truc. Cooling complete. Cooling complete. Bah putain. On a combien encore une? L'autosave c'est quand même pratique, surtout quand t'as une coupure de courant. Oui, bon après ça c'est les... Oui. Oui, c'est vrai que c'est utile pour ça. Non, on va pas prendre. Merde, c'est pas là. C'est sûr que c'est pratique. Il y en a plein des grenades. Ouh, les grenades. Ouh, c'est beau, les grenades. Mmh.
Ça fait boum, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est par où? C'est là. Les zombies sont plutôt sympas. Ils sont plutôt gentils. Quand ils sont pas en train de te bouffer, ça va. Passe. Dispensing solution now. So much for the weed infestation. Warning. You have dispersed. Bon bah voilà, on est à la fin. À retourner voir Sherry, on est bon. Non, 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 il faut récupérer l'antivirus et on est bon. Pas un Mister Machin là. Non. Non. Un Mister Lincoln. Prêt à combattre le magnifique, le grand Bulkin. AWS. Non. Oh mon dieu. AWS. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh, je suis mauvais. Oh, je suis mauvais. C'est quand même mieux au joystick. Toujours la gueule, chaud pour le 15 ou pas du tout? On va voir. Ah, trop de soin. Bulkin, j'arrive. Ah, par contre, cette cinématique, on la regarde parce qu'elle est trop classe.
Elle, elle se prend pour Lara Croft et il y a William. I should have killed him while I had the chance. I don't know why, I just couldn't do it. He was your husband. Honestly, we were more married to our work than each other. What about Sherry? How could you just leave her all alone while Raccoon City burned to hell? I couldn't let my daughter grow up in a world with the G-virus in it. But that's no excuse to leave her. Ouch. I got this. Let's go, Lara Croft! Woohoo! Lara! Don't stop until it's finished! Trust me! This ends now! Petite mage carte graphique, Nvidia ou pas? Wow. On a tellement de sang, on pourrait tenter le coup du couteau, mais on en a qu'un seul de couteau. Nvidia, merde, je vais devoir la faire aussi alors. Hop. Merde, j'ai cru. De quoi? Excuse-moi William, mais là, là on dirait un peu Dark Souls. Là ça me rappelle le PVP de Dark Souls quand même. Hein. T'enlèves au moins deux au coffre. C'est possible. Bon là ça va, là je le mérite. Dire qu'au couteau ça va encore plus vite qu'avec des armes. On va faire un peu de feu pour changer. On va prendre ça.
Putain, William, j'ai des cadeaux. La musique qui s'arrête bien et tout au bon moment, c'est trop stylé. Target has been neutralized. Ending in quarantine. Youpla. Sherry! Gotta get back to Sherry. Regardez-moi, elle a des coups de griffe sur les fesses. Elle a les fesses en acier quand même, Claire. Elle a les fesses vraiment en acier. Il a un monstre lui. What? What? Burp, burp. On verra le 15-16 pour... Moi je pense d'abord me lancer sur les DLC de Resident Evil. Hein. Ça dépend quand ça sort en fait. Sherry. Mais quelle heure mais, mais sinon en premier ça va être les DLC je pense. Ils sont cool, vont être cool. Essayez de ne pas succomber au PEG 18+ avec ses marques sur les fesses. La carte graphique doit être aussi puissante que tout ton PC. Mon PC il fait pas tourner les trucs de Miku et les jeux comme ça par contre. Claire? Yeah? Thank you for being so nice to me. À 2h21, c'est tellement. I'm really glad I met you. I'm really glad I met you too, Sherry. But save your thanks until I get you out of this place. Et là, cool. Surtout quand ça tombe sur PS4, en effet, merde. Je me suis fait avoir, mais chier. Combat final. C'est vrai que... Ah ouais, merde. C'est vrai que j'avais beaucoup de couteaux en fait. Putain. On va faire le dernier combat au couteau. Oh yes, on va le tester. Ça a pas l'air extrêmement dur. On a plus de grenades, t'es sérieux? On a quasiment rien en grenades, c'est super bizarre. Eh ben... Excusez-moi, on va faire ça. Quoique... Regardez ça. Normalement ça va très vite pour le dernier combat parce qu'en fait il a tous les yeux au même endroit et genre un slash du couteau et ça va extrêmement mal. Ça va plus vite qu'une arme normale, qu'un pistolet, qu'un truc comme ça, en théorie. On va voir. Et vu qu'on a plein de soins, pourquoi pas tester. Merde, c'est là. Pense passer à la PS5. Rétrocompatibilité, ouais, de la PS4 en fait.
Après, est-ce que ça vaut le coup de passer à la PS5? J'en sais rien. C'est relou les consoles quand même, honnêtement. Quand tu veux, chérie. 1, 2, 3, 4 aussi. Ouais, je veux bien voir ça. Ou c'est peut-être seulement au lancement en fait pour te la faire acheter. Et après, ils vont faire comme les. C'était quoi, les nouvelles PS4 ou les nouvelles PS3, je crois. C'était rétro-compatible et après, non plus. Après, c'était plus. Ils avaient pas fait ça. Après, les nouveaux modèles en fait n'étaient plus rétro-compatibles parce qu'ils disaient que ça créait des problèmes, machin, blabla. Ah putain, il me faut de la place. Je suis en train de me demander, est-ce qu'on prend le minigun ou pas? On va prendre le minigun. Juste au cas où, on va tester. On peut sauvegarder ici, on peut pas sauvegarder ici. 8 minutes until detonation. Regardez-moi ces fesses ensanglantées, magiques. Qu'est-ce que tu fais? Je sauve tes fesses. Je vais juste prendre ça au cas où. Okay. Tu connais le mode PC avec les émulateurs, c'est très rétro-compatible. C'est vrai. C'est vrai. Hey, let's go! Ouh, William! On va se faire, mais alors défoncer. Je sais pas du tout comment l'esquiver. On va apprendre sur le tas. Bien, fait R. Ok, calme, on esquive. Reviens. Non, attends, j'ai les mêmes à la maison. Ça, t'es relou. Attention, on esquive. 1, 2. Il est dans le rouge, C'est énorme. Qu'est-ce qui se passe? Je vois rien. Je vois des gros yeux dans ma face. Je vois rien. Oh, il est mort, énorme, mais comment ça va trop vite? Ah, énorme. Deux couteaux. À peu près, il faut deux couteaux. Ah,
Le couteau. Eh ben. Ah, c'est plutôt cool le couteau. On va faire des runs couteau, on va commencer à faire des runs que couteau, je pense. Claire, it's okay. I'm here. We're getting out of here. Même en hardcore, en théorie, c'est simple. Il nous a quoi touché 3 fois, je crois. On avait assez de vie pour tanker, même si c'était en hardcore. Mais qui est-ce ? Une personne que j'aurais laissée pour mort ? First thing you want to do when we get out of here. I want to see where you live. Good. Je viens de remarquer, il y a même une protection entre les omoplates en fait au-dessus. Genre c'est bombé, c'est pas mal. Claire. Leon. It's so good to see you. I told you we'd make it, didn't I? You did. Who's this? This? This is Sherry. Okay. Jesus. What was that? I don't know. Cacher une tumeur. Stay here with Sherry. I'm gonna go check it out. Couteau, j'en ai vu 3 sur PS1 et 3 premiers épisodes uniquement au couteau. Ouais, non mais là aussi, celui-là aussi, on peut le faire uniquement au couteau. Je sais qu'il y en a qui ont déjà fait. Par contre, là, franchement, je vois pas pourquoi il te donne un couteau. C'est un peu étrange. J'arrive pas vraiment à le situer au couteau, lui. J'arrive pas vraiment à le situer au couteau. On y va. Pour le finir, quand il y a l'œil. Ouais, ouh, 360. Headshot. 360. Headshot. Après, on va sortir la mitrailleuse. Ah, c'est ça en fait, c'est au couteau qu'il faut le faire là, non? Ou pas? C'est ce qui arrive si on le fait au couteau. Alors comment on fait? On lui fait des dégâts avant? Genre à la Redfield, le défi à la Redfield, c'est ça? C'est pour ça qu'elle dit, elle parle de Chris. Merci pour le qui te suit, bienvenue! Miam miam. En plus, je suis sûr que t'adores ces choses-là, je crois. Il y a des tentacules, il y a des griffes géantes. Plante le couteau dans l'œil. Comment tu veux que je le plante? Il n'y a pas de prompteur en fait pour planter le couteau. Comment on fait? For fuck's sake, how the hell are you still kidding?
Ah, tentacule. D'accord. À la fin, il ouvre son œil, tu peux finir avec le couteau. Bah, comme là, maintenant, non? Tu utilises un prompteur. De quoi tu parles, Bulle? J'ai vu un geek le faire. J'ai vu un geek le faire. Et j'ai vu un nerd. Et des grosses lunettes. Mais il l'a fait. Je sais pas si j'avance. J'ai vu un geek au premier coup. On va devoir regarder ça. On va regarder ça vite fait. Si je trouve sur... sur YouTube vite fait. Parce que le truc c'est que si on le tue maintenant, bah... Après il faut se retaper l'épisode en fait. Il faut se retaper tout le scénario. Alors... Faut être synchro. Oh mon Dieu. Si vous avez le lien, il l'a fait avec Léon. Si vous avez le lien, vous pouvez le poster sur le chat, s'il vous plaît. Tout ce que je vois, c'est des vidéos, knife run, machin. Oh la vache. Je trouve pas du tout. L'action se déroulait juste après la déchirure du train. Ouais, non, je trouve pas. Non, je trouve pas. Oups, non. Désolé pour le... l'attente. On va attendre jusqu'au dernier moment alors. Oh,
crever. On va encore crever, comme j'avais dit. Encore mort. Allez, ça m'a gavé. On va le défoncer. On va le défoncer. Ah, saoulé. Fallait encore tirer. Mais faut me le dire alors. Je crois que j'ai peur de le tuer en fait. On verra. Je me demande si ça sert à quelque chose de lui faire des dégâts maintenant. Il a l'air de voler en tout cas. J'ai pas eu de succès, hein, donc je sais pas. On va voir si on a fait le défi. Salut Orion, bienvenue. Dead. Dead. Tellement dead. Tellement dead. C'est nul. Ça va Orion, quoi de beau? Ouh, ça fait des tartes flambées. Alors... On a fait tout ça? Waouh. Tout ça. Alors, Kiluglu, vaincre G deuxième forme en utilisant la grue qu'une seule fois, on l'a fait, c'était bien. Plein de place, on a eu tous les trucs, il faut le faire strictement normal, c'est un peu con. Condition ouvrir la porte électronique, ça aussi on l'a fait. Un chimiste de génie. Remplir la cartouche, 9 manipulations. Ok, c'est bon. Chambre noire, on a toutes les pellicules, on a eu celle de Rebecca. Et. Ah la Redfield, on a toujours pas eu. La méthode Redfield. C'est le nouveau Resident Evil 2. Oui. Oui, y'a rien. Non, la méthode Redfield, je sais pas. Je sais pas du tout. Peut-être qu'il faut tuer tous les boss au couteau ou un truc comme ça, je sais pas. Faudrait que je regarde. Bon, il nous en reste 10 à faire. Oh, putain, j'en ai 2 à faire là. Ah, oh, on a toujours pas tous les documents 56-58, putain. Voilà la porte électronique. Privée en 7 manipulations. Ah, même ça, c'est scénario A. Super espionne, détecteur CEM, super espionne. Ça doit être avec Ada, je pense. Mais je sais pas ce qu'il faut faire. Les pieds sur terre. Il y a plein de trucs qui te disent pas comment faire, c'est un peu con.
J'aurais bien voulu qu'ils expliquent au moins. Ben! Cinquième fois. Les costumes, bah c'est les mêmes quoi. Ça a pas changé.